Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir, inspecteur ? Non. Écoutez, j'arrive de vacances, la 5 n'existe plus, je suis au chômage, je veux voir Monsieur Berlusconi. C'est vrai, j'en ai plein le cul, je veux le voir tout de suite. Oui, c'est vrai, moi aussi, tout de suite. C'est pas un problème, si vous voulez voir Monsieur Berlusconi, il est là, alors c'est maintenant. Ah ben, vous tombez bien, Monsieur Berlusconi, je suis venu juste vous dire que vous étiez un gros naze de première. Ah, ben voilà autre chose, pourquoi vous me dites ça ? Je veux remettre sur pied une nouvelle 5. Eh oui, moi aussi, c'est ça, une nouvelle 5. Je vais d'abord engager le top des vedettes. Oui, oui, moi aussi. Le top des vedettes. Notre épisode d'aujourd'hui, Derrick contre Superman. Écoutez, Blake, franchement, je ne vois pas de quoi vous avez peur. Très franchement. Mais moi, je n'ai peur de rien, camarade. J'en ai plein les couilles et c'est tout. Mais plein les couilles de quoi? Je ne comprends pas. Je vous parle de gros salaires d'au moins 10 000 francs français par mois. Attends, t'es gentil. Essaye pas de me tenter avec tes salaires mirobolants. Je te parle de politique. Les camarades téléspectateurs n'ont rien d'autre à perdre que leur chaîne. Notre chaîne gagne à être connue. Derrick, ou vous êtes un rhétoricien redoutable, ou vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à me perdre. Rhétoricien de mes couilles, tes enquêtes, elles sont minables. Tu sers d'alibi aux vendeurs de savon et de lessive. Hein? Nom de Dieu, Blake, vous êtes un communiste. Ça crève les yeux. Oui, je suis communiste et un marxiste en plus. Et je t'emmerde, gros combard, toi, fasciste pourri, impuissant à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee. Casse-toi de chez moi, gros porc, sale bosse pourri, va vendre ta lessive. Et d'abord, c'est celui qui dit qui est. En plus, je bosse pas avec des cocos, moi. Oh, Lénine, réveille-toi. Oh putain, j'ai une illumination, ça y est, oui, c'est ça, une super idée. Tu sais à qui je vais faire signe? Non, je sais pas, Babar? Ça va pas, mais non, pas Babar, c'est un éléphant, et puis ça va le téléphone, les éléphants, et en plus ça salope tout, non, j'ai bien mieux que ça. Ah, moi j'ai les mecs de Star Trek, c'est des potes, ils peuvent pas me dire non. Enterprise, bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler au capitaine Kirk. Kirk, s'il vous plaît. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? Il me demande, j'entends pas. Allô, salut, mon petit Kirk. C'est Derrick. Ça va comme tu veux, là-haut? Excuse-moi, je t'appelle à propos d'un projet qui... Attends, vieux, laisse-moi un numéro, je peux te rappeler. Non, c'est pas la peine, je peux t'expliquer ça en deux secondes. Attends, t'es bouché ou quoi? Je me barre avec des Vénusiens rebelles. Capitaine, votre correspondant a coupé. Veuillez libérer la ligne, merci. Il m'a fait le plan du type débordé, je supporte pas ça, c'est nul, je vais appeler les deux plus forts. Mariti et Gilbert Carpentier? Non, t'es décidément trop con, on va trouver beaucoup mieux que ça, crois-moi. Département de la police. Alors, ça baigne? T'as vu ton analyste? Ouais. Bon, il y a Derrick qui a appelé. Il nous a proposé du boulot. Attends, j'en ai rien à foutre de Derrick. N'énerve pas, on n'a plus une thune. Je suis complètement névrosé, je veux plus me pourrir la vie. Je subis une pression de la privation extérieure. Le foie. Non, c'est pas le foie, ça se saurait. C'est mon pathos, tu comprends ça? Hé, hey, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais rien mais foutre. Mais tu te rends pas compte, toi et moi, on a influencé des générations entières de gardiens de la paix. On a des dizaines de bavures sur la conscience. C'est pour un petit gars qui s'appelait Manny Poussekine que je raccroche. Pour jamais oublier, plus jamais ça. Et Matt Houston? Enfin, Matt Houston, on ne l'a pas appelé, mais c'est un super détective. C'est vraiment une flèche, on devrait l'appeler. En plus, je connais une super blague avec Matt Houston. Je crains le pire, mais je sens que tu vas me la raconter. Bah, en fait, c'est une devinette, patron. Est-ce que vous connaissez... le vrai prénom de Matt Houston, parce que Matt, c'est bidon, son vrai prénom... Écoute, je sais rien et j'en ai rien à foutre, alors finis ta blague. Ben, c'est Gédebourg, parce que Gédebourg Houston. Bon, comme vous le savez sans doute, j'ai eu Derrick, et pour le boulot qu'il propose, vous allez passer un test, le test du docteur Bruno. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de test? Attends, CJ, calme-toi, laisse-le parler, on va voir. Non, mais attendez, j'ai bossé des années sur TF1. J'ai jamais passé un test. Non? Bon, assez rigolé, concentrez-vous.
Voilà, ce test fait appel à votre mémoire visuelle. Est-ce que vous êtes prêt? Top chrono. Des fragments de dessins vont défiler devant vous. Vous devrez les assembler mentalement pour reconstituer le dessin tout entier. Oh putain, ça a l'air dur là. Non mais c'est pas possible. Oh l'autre, c'est super saqué. Tais-toi, je réfléchis. Oh là 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 là. Parfait. Bon, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, je pense à une clé à molette. N'oubliez pas que vous avez droit à une seule réponse. Matouston, vous pensez quoi? C'est vous le héros? Je pense que c'est une clé à molette. Comme CG, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Une clé à molette de mécanicien? Pas de chance, c'est perdu. C'était une maison. Plus communément appelée case d'Afrique. Non, mais vous voulez dire qu'on s'est planté comme des grosses buses? Alors là, je ne le crois pas. Et comment donc? Et comment donc qui, je vous prie? Et comment donc, Houston? Bon, c'est terminé. Il est bien, ton bal. Lâche-moi! Tout le monde se fout de ta gueule. Tu sais que t'es un naze. Ouais, je sais. Ah, vous êtes lourds, les mecs. Vous avez le cul pourri. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a les boules, faut qu'on décompresse. Non, je sais bien, mais c'est pas une raison pour que je respire l'air qui sorte de votre cul. Moi, je serais vous, j'appellerais ce commissaire tellement sympathique, celui qui a un accent rigolo. Ah oui, je vois qui tu veux dire. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetin. Dis donc, toi, connard. Tu m'appelles encore une fois Poujna et je te nique ta mère. Putain d'enculé de ta race, tu vas bouffer tes morts. Fils de pute! Quand vous aurez fini vos mamours, il y a un appel super urgent pour vous. Merci, Léon, t'es une gentille fille, toi. Et vous parez votre note aussi. La note, tu te la mets au cul et puis tu te torches avec. Allô? Allô, commissaire Enrico? Dis donc, connard. Enculé d'antisémite de ta mère, tu vas me parler avec un peu de respect, oui? Fils de pute, d'ancien nazi, de bourreau d'enfant. Ton père, il t'a fini à la pisse après il t'a bercé contre un mur. T'es qu'un gros connard, Eric. Je te dis merde. T'entends? Je t'emmerde. Putain, l'enculé, il m'a énervé. Yep. Brett, tu ne vas pas me croire, mais il y a Roger Hanin en bas. Roger Hanin, l'acteur? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, enfin? C'est Roger Hanin, alors ça n'arrive pas tous les jours qu'on le voit dans la rue. Foiré. Dis donc, toi, tu me fais la gueule ou quoi? Moi, non. Mais je n'ai pas le temps de m'amuser. Il se trouve que cet après-midi, j'ai eu rancœur avec Superman. Waouh! Mais moi, je suis chaud, moi, je suis hot. Moi, j'ai envie de niquer, tu comprends ça? De niquer. Pour un autre jour. Un autre jour, c'est ça? Oui, je m'en fous. Moi, je vais fourrer la commode et puis basta, hein. Salut, tu vas bien? Numéro 6? Ça va pas mal. À part que je suis sous acide. Ah oui, tu n'as pas arrêté. Bravo, c'est bien. Merci. Mais dis-moi, Superman n'est pas encore arrivé? Et non, mais flippe pas. Il ne va pas tarder à débarquer, tout se passe très bien. Mais je flippe si je veux. Tu n'es pas mon père d'abord. Pour nous, les gens des M6, si jamais Derrick réussit, c'est la cata. Hey vieux, tu noircis un peu le tableau parce que t'es sous l'emprise de la cam, ça te rend parano et con, mais avec Superman, ça va gazer. Superman, c'est bien que tu sois là, tu vas nous donner nos instructions. Ok, les filles, toi, numéro 6, ta mission consiste à amener Derrick vers la montagne Spiridion. Là, une surprise l'attendra, si tu vois ce que je veux dire. Montagne Spiridion, d'accord. Je sais comment je vais faire. Quant à toi, Roger Moore, tu vas t'occuper de drôles de dames. Ah, super, j'adore. Empêche-les d'accepter la proposition de Derrick. Elles sont en vacances à Mururoa, pas de question? Comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres, hein? Eh bien, c'est un don que j'ai depuis tout petit. Dans le métier, on m'appelle Super Ventriloque. Allez, salut les filles! Oh, regarde là-haut dans le ciel! Un oiseau! Non, un avion! Mais non, c'est Superman! Au cœur de l'océan Pacifique, l'atoll de Mururoa. Waouh, les filles, que super fun le surf, c'est giga éclatant! Vous voulez pas vous baigner? Elle est ultra bonne, cette grande délire, c'est ultra cool! Moi, malheureusement, je peux pas, les Anglais ont débarqué. Ah oui? Oui, ça attire les requins. Et si j'y vais.
Ils te boufferont le cul. Moi, ça me donne faim, voilà le vendeur chouchou. Chouchou, beignet aux pommes, sucette, petit jouet amusant, crème glacée, qui veut mes chouchous? Allons-y, allons-y, il y va le chouchou. Tiens, là, moi, je vais en acheter. T'as vu, elle part du mauvais côté. Ouais, elle est con. Bah, j'y crois aussi. Tanguy à la verdure, Tanguy à la verdure, objectif repéré à midi. Roger, putain, midi déjà? C'était une vanne, bon, je la rébombe, hein. T'as lu le dernier Benoît de Groot? Objectif détruit, Roger, on rentre à la base, Roger. Oui, on rentre à la base, mission accomplie. J'appelle Roger Moore pour lui dire que tout baigne et t'es gentil, s'il te plaît, t'arrêtes de m'appeler Roger. Roger, Roger. Roger. Putain, je viens d'avoir bosselé, il est mal. Ces trois copines, elles ont pris une bombe sur la gueule. Il paraît que c'est plus des drôles de dames, c'est des drôles de hamsters. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois que quelqu'un nous en veut. Je crois qu'on va être obligé d'avoir une idée. Je sais que c'est pas gagné, mais qu'est-ce que tu veux faire? Une idée? Comme vous y allez? Ah, je sais que ça paraît fou comme ça, mais on peut bien essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Allez, t'as bien une vieille idée. Allez! Non, je suis désolé, mais j'en ai pas. Rendez-vous, Montagne, Spiridion, signé Berlusconi. T'es foutu, Derrick. Cette fois-ci, tes chances sont réduites à néant. Allez, vol, petit pigeon. Je vous ai pas dit, j'ai une idée. Une idée neuve, des missions nouvelles. Jolie. Et si tu te moques, t'arrêtes tout de suite, hein, parce que c'est le patron et c'est pas un con, tu sais. Merci, Hans. Bon, mon idée neuve, c'est... tu vois, si le lendemain, par exemple, il fait beau, bon, ben, on dit aux gens, demain, il fait beau, quoi. Ah oui, mais il y a un truc auquel vous ne pensez pas. Si le lendemain, il pleut, vous leur dites quoi aux gens? Bande de gros malins. Merde. Alors là, vous êtes bien feinté, hein. Inspecteur, un pigeon voyageur pour vous. Un pigeon? Rien, un pigeon. Vous avez rendez-vous à la montagne Spiridion. J'ai signé Berlusconi, il vous a rien dit d'autre? C'est un pigeon, monsieur. Oui, autant pour moi. Il n'y a pas de mal, monsieur. Putain, c'est pas vrai, hein. Elle est chiante, la nana de Côte-Ouest. Elle est hyper négative, je supporte pas. Faut toujours qu'elle la ramène, qu'elle est con. Oui, mais là, on a rancard. Oui, je sais, Berlusconi. J'ai entendu qu'il nous avait envoyé un pigeon voyageur, drôle d'idée. Bon, enfin, j'ai toutes les informations pour y aller dans mon carnet. Allons-y. Allons-y. Un peu plus tard, non loin de la montagne Spiridion. Ah ah, tu es fait, Derrick. Ah ah, tu vas tâter de ce caillou. Mon plan a marché à merveille. Tiens, prends ça et fais ta dernière prière. Sapristi! Mon Dieu, mais tu n'es pas Derrick. Ben non, je suis Bernard de Laplace et vous avez bousillé mon auto. Super merde, je suis super désolé. Je viens de me super gourer, je suis un super con. Mon petit Hans, je crois que c'est foutu, foutu. On est vraiment perdu, perdu. Oh, patron, en plus j'ai envie de faire pipi, pipi. Fallait prendre tes précautions avant. Ah, ça c'est tout moi, hein. Je suis une vraie tête de linotte. Pas une tête de linotte, t'es une grosse tête de con. Patron, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, moi je suis pas Madame Soleil. Hé les gars, y a un problème? Ouais, un type avec un body en jersey bleu et une cape rouge balance des gros cailloux sur toutes les voitures. Mince, patron, une berline noire, exactement la même que la nôtre. Je trouve que ce rendez-vous ressemble étrangement à un guet-apens. Qu'est-ce que vous en pensez, patron? Oui, d'accord, mais qui est cette personne en rouge et bleu? J'ai beau me creuser le citron, je ne vois que Love Amour, patron. Love Amour, tu dis? Elle est pas bête, oui, mais pourquoi elle nous en voudrait, Hans? Patron, ou c'est moi qui hallucine, ou je viens de voir Superman. Si c'est lui, moi j'arrête. Eh oui, t'as raison. Tu sais ce qu'on va faire, mon petit Hans? Une partie de Scrabble... de Scrabble bleu? Non, pas tout de suite. J'ai une idée, viens, je vais t'en parler. Tu vois, on pourrait faire une chaîne culturelle franco-allemande. Je suis sûr que les Français seraient prêts à collaborer. Ouais, génial, on ne devrait plus Jacques Lang. Attends, tu brûles les étapes.
On a un concept béton, mais avant d'appeler qui que ce soit, il lui faut un nom à cette chaîne. Arte? Arte, Arte, c'est bon ça, t'es pas la moitié d'un con, toi, tu seras directeur des programmes. Patron? Quoi? J'ai fait pipi dans ma culotte. Bonjour, petit. Un connard de Superman, va. Hé, hey, papy, pour un gros con de chasseur, tu l'as bien eu. Oh, c'était facile, il volait bas. Dis-moi, tu connais le film Délivrance? Non, je connais pas. Mais c'est une histoire de chasseur aussi. Allez, rentre donc là-dedans.